c'est peut-être ce qu'il faut. C'est peut-être ton fonctionnement de laisser venir une situation intolérable pour pouvoir bouger. Le monde extérieur te fait peur. Voilà ce que ça m'envoie. Le monde extérieur me fait peur, donc j'ai besoin d'un bon coup de pied au cul pour pouvoir, moi, avancer dans le monde. La question derrière la question, c'est est-ce que j'ai le droit réellement de créer quelque chose de nouveau qui soit vraiment pour moi? Tu doutes en fait. Tu doutes de que cette nouvelle chose ne soit peut-être pas pour toi. Ne soit peut-être pas assez stable pour te supporter. Donc en fait, tu viens me parler de toi. Tu viens pas parler de comment réussir. Tu viens me parler de comment m'accepter? Comment être sûr que je suis quelqu'un de bien? Parce que jusqu'à présent, ce que je montrais au monde de moi, à travers une activité, n'était pas qui j'étais réellement. Et c'était facile. C'est facile parce que ça permettait de te cacher. Là, tu es en face du choix. Bah, maintenant, je suis plus obligé de me cacher. Je peux être. Même pas sur le devant de la scène, mais je peux m'accepter. Ça me parle plus d'acceptation de soi. Que peut-être les douleurs sont terminées, mais que je m'accroche à un ancien monde. Voilà ce que m'envoie ta structure. Tu t'accroches à des rêves, à une rêverie. Donc c'est tout ton élan vers le spirituel, qui n'a rien à voir avec l'élan dans la matière. Tu fais une dichotomie, tu crées une dichotomie entre ces deux mondes. Et le fait d'incarner qui tu es à l'extérieur, c'est ton, même pas ton challenge, mais c'est ta manière de te reconnaître. Je tourne sur ces mots parce qu'il n'y a vraiment que ça. Ça me renvoie. Je préfère que la situation soit intolérable plutôt de vivre ce que j'ai à vivre. Je préfère que la situation soit presque bloquée parce que ça me permet de me bouger, putain. Il y a quelque chose qui... Attends, mais je loupe un truc dans ta question. Parce que là, le vrai thème, c'est bien le regard que tu portes sur toi-même. Et surtout, le regard que tu veux que je porte sur toi-même. Et c'est ça qui bug, c'est ça qui est dysfonctionnel. Tu me présentes une face de toi, ouais, qui est forcément dysfonctionnelle. Ça peut que être dysfonctionnel. Et là, je dis tu, je parle à la fois au groupe et à toi, Corinne. Tu nous montres que ce que tu veux bien montrer, c'est ton choix, c'est ton pouvoir. C'est le seul que tu as, parce qu'il est issu de ton interprétation. Et à aucun moment... Alors, attends, d'accord, pas ça. Quelque part, tu joues les victimes. Tu ne montres que toi-même. Voilà l'information d'évolution. Tu ne montres que toi-même. Et pourquoi il y a ces informations-là? Ça me renvoie à ton libre arbitre, à ton humanité, à ton être humain qui est là pour faire un choix et les assumer. Tu ne veux pas te voir en tant qu'être humain parce que ça signifie être imparfait. Tu ne veux pas te voir en tant qu'être humain parce que ça signifie que tu dois construire quelque chose et que ce n'est pas à la vie de choisir pour toi. Tu te sens décalé. Il y a un sentiment de décalage énorme. Entre quoi et quoi, je ne sais pas, mais il est là. Une forme de...
je ne suis pas à ma place. Mélanger à du je ne mérite pas. Mélanger à du ce n'est pas bien ce que je fais. Et tu as tellement eu l'habitude d'avoir une confirmation à l'extérieur que lorsqu'une situation nouvelle se présente, tu la rigidifies dans ce mécanisme-là. Au lieu de te laisser aller à la vie, au lieu de respecter ton nouveau élan. Parce que oui, tu es quelqu'un qui peut changer. Parce que tu te sais en permanence, mais tu te cristallises dans un rôle. Et ça, c'est paradoxal. C'est en fait toute la haine que tu te voues sans le savoir. Un putain d'élan qui n'est pas là pour te faire du bien, mais qui est là. C'est pour ça que je te dis, parlais de rêverie, parce que ta rêverie t'empêche, ta putain de rêverie t'empêche de voir ça. Et tu restes sourde à ces appels. Parce que ce n'est pas bien. Assumer l'impermanence de la présence de qui tu veux, de l'être, de la conscience, c'est assumer la tienne. C'est en t'alignant sur ton identité, sur ses travers, sur ses ressources, sur ses qualités, sur ses défauts. Et en acceptant que ce soit toujours quelque chose d'impermanent. Ce sera toujours quelque chose qui va bouger. Ouais, voilà. J'en ai terminé pour toi. Bonne soirée à toi, Corinne. Salut.